C'est super dur la vie d'astropote. Je sais maintenant avec solitude ce qu'est la certitude. J'ai marché, j'ai avancé, j'ai traîné ma dégaine. J'ai avancé sans avant. Tu vois? Procédure. Bon, on s'engueule pas parce qu'on est intelligent, on se tape pas sur la gueule parce qu'on est intelligent quand même. Michel, il aime pas qu'on l'appelle le négateur, mais lui, il voit toujours le mal partout. Et moi, j'essaie de rechercher le bien partout. Alors, c'est pas pareil, tu vois. On s'est pas engueulé, hein. Histoire du contraire de l'inverse, ouais, tu nous fais chier, non? Tu dis toujours qu'on ne comprend rien, non, ni l'inverse. C'est mon meilleur astropote, mais il le sait pas encore. Comme 2% Saint-Luc, il savait pas qu'il aurait pu être Saint-Luc. 2% Saint-Pierre, il savait pas non plus. Et là, il y a ça, université de la vie. À quel prix? Le prix, c'est 33 euros. Et moi, j'ai pas de sous pour aller voir ça. Mets-toi à la place des pauvres. 25, 22 rue Smollett. Entrée 33 balles. Et le bon Dieu, c'est pas fait pour vendre. C'est fait pour partager le savoir, pour partager avec tout le monde les nouvelles technologies, les nouveaux trucs. Bon, même si c'est de la merde. Bon, lui, il est persuadé qu'il a raison. Bon, moi, je suis persuadé que c'est moi qui ai raison. Ben lui, il dit, tu dis moi. Bon, toi aussi, tu dis moi. Mais je dis, regarde pas l'allumette, regarde ta poutre. Ça, c'est Saint-Mathieu, je crois bien. Ou Saint-Luc. Je sais rien, je m'en fous. C'est des formulaires, c'est des papelards. Il y en a marre des papelards. Mais c'est mon meilleur ami. C'est mon Saint-Michel. Je dis, mais sors-le, ton putain de Saint-Michel. Ou quand tu vas te coucher. Que le chat, il y a un côté, tu sais, c'est pas qu'il faut que tu pries, c'est qu'il faut rentrer en subconscience. Il a tout, putain, il est loin d'être con et il sait tout faire. C'est pas Patrick Truel qui a jamais porté un sac de ciment. Il est déjà parti comme l'éclair. Des protocoles numérisés de télé. Merci Seigneur de ne pas avoir de télé à la maison. Je vais aller filmer quant à l'eau encore, quand même. Voir si le petit cousin a pris son gonfleur. T'imagines, je suis même pas. À plus que 10 centimes près, j'ai même pas 10 centimes à donner au clochard. Non, non, c'est pas je rêvais d'un autre monde, je te téléphone. Parce que moi j'aimais bien Corinne à 11 ans. À 4 ans, j'étais amoureux de Sylvie Vartan au télésiège qu'on allait voir la grand-mère en Suisse. Il y avait des vaches, il y avait le purin. Bon, enfin bref. Quand on a les oreilles qui klaxonnent, c'est une histoire de supraconduction synapsoïdale par acouphène. Mais il faut avoir le décodeur. Enfin, il faut comprendre. Tu vois, moi je vois la cousine, et c'est un protocole. Tous, c'est des protocoles. C'est pas que c'est pas humain, mais c'est presque plus humain. Là, je vois les nouveaux drones, les voitures du futur. Bon, bah, c'est exactement ravage de Barjavel. Faut arrêter ça. Bon, remarque, il y en a un qui m'a dit, je vais vivre jusqu'à 100 ans. J'ai dit, ça m'étonnerait bien. Et que ce que je fume et que ce que je bois. Après, le bon Dieu me répond, mais tu es conçu pour ça.
Ah bon, ça m'étonnerait bien. Avec le bon Dieu, tout est possible, mais il faut y croire. Et vous croyez en rien. Ça, le problème. Si votre Dieu, c'est l'argent et la télé, eh ben, regarde ton téléfilm de merde, là, et foutez-moi la paix.